Aujourd'hui, je suis sur la route d'Alépé. Nous sommes ici, nous sommes sur la voie Y4. Donc, je vais vous montrer le chantier d'un échangeur qui est en construction ici pour permettre d'échanger les voies sur la voie de la Y4. Donc, ici, c'est la voie d'Alépé. Donc, suivez le reportage jusqu'à la fin pour voir l'évolution des travaux de la Y4. Nous sommes dans l'emprise de la Y4. Vous voyez déjà devant là-bas la voie bitumée. Et voici l'espace que la Y4 a donné naissance. Pour les dirigeants, les technocrates, le gouvernement, ils veulent développer une ville autour de la Y4. C'est pour cela que tous ces espaces-là ont été ont eu naissance. Mais j'ai vraiment un pincement au cœur quand je pense que pour des simples campagnes de mairie pour devenir maire, des gens dépensent des milliards. Je dis bien des milliards, pas un milliard, des milliards pour devenir maire. Mais ils n'arrivent pas à investir. Voici l'espace qu'elle a pour venir investir, donner de l'emploi aux jeunes, à leurs frères, à leurs enfants, à leurs neveux. Ajouter de la valeur, apporter de la valeur ajoutée à la nation. Non, mais il dépense des milliards dans la campagne pour devenir maire. Mais je ne sais pas c'est pourquoi. Vous dépensez des milliards pour devenir maire. Mais est-ce que vous prenez ces milliards-là pour venir investir ici, pour donner de l'emploi à nos enfants, nos filles, nos petits frères, nos grands frères, même nous-mêmes? Si on fait ça, là, c'est parce qu'on n'a pas emploi. Donc, on s'est donné notre emploi comme ça. Donc, moi-même, je pense que j'apporte de la valeur ajoutée parce que j'ai une bonne... les opportunités que la Côte d'Ivoire offre à travers le monde entier. Mais vous dépensez des milliards dans la campagne pour devenir maire. Mais maintenant, là, vous ne pouvez pas investir. Vous voulez que les internationaux viennent investir. Ils prennent tout cet argent-là pour aller investir chez eux parce qu'ils ont la possibilité de rapatrier tous les bénéfices chez eux. Ils ne peuvent pas venir prendre l'argent et puis venir vous donner ça. Maintenant, vous qui avez les moyens, au lieu d'aller dépenser des milliards pour devenir maire, là, venez dépenser des milliards ici pour donner de l'emploi aux gens, pour créer de la valeur ajoutée, pour embellir la ville. C'est le pays, tout le pays est en chantier. Ils sont en train de mettre en place tous les moyens pour créer tous les moyens favorables à l'investissement. Mais personne. C'est les gens qui quittent dans les autres pays, à Oman, comment on appelle, même Vietnam, qui viennent ici pour venir investir. Mais et les nationaux?
Les milliards que vous dépensez dans les campagnes pour devenir maire, là, c'est pourquoi? Venez investir, voilà l'espace qui est là. Venez construire les cités, venez développer la ville. Donc moi, je vous attends, hein. Je vous ai déjà montré l'espace qui est là. Donc aujourd'hui, c'est le 19 octobre 2023 que j'ai fait le filmage. Donc dans 2 mois ou 3 mois, je vais venir encore venir refilmer ici. Et puis je vais venir trouver que vous êtes en train de gratter pour créer les cités. Et je vais parler de ça au monde entier et à tout le peuple ivoirien. Donc venez, vous allez investir ici, là. Venez créer les cités ici. On va dire vos noms. Mais vous avez les milliards, on ne sait même pas ce que vous faites avec ces milliards-là. Vous prenez pour faire campagne de mairie, pour devenir maire. Est-ce que ça, là même, c'est pour développer la ville en devenant maire? Ce n'est pas pour prendre l'argent de la population. Sinon, si c'est pour travailler, là, voici l'espace qui est là pour travailler. Venez, venez investir ici. Venez investir, on vous attend. Le gouvernement est en train de faire ce beau travail-là. Regardez la Y4. La voie de continuement de la ville d'Abidjan. On demande à ce qu'une cité, des cités soient établies autour de la Y4, parce que ça ne peut pas être une ville comme une route comme ça, mais on ne voit personne. Voici là. Depuis que j'ai commencé à filmer ici, il n'y a personne qui est venu. Hein. Ça, il y a quelques particuliers qui sont en train de construire ici. Vous voyez, il y a quelques particuliers qui sont en train de construire. Mais vous qui avez les moyens de venir construire des cités, des belles maisons, créer une nouvelle ville pour embellir la ville. Mais on ne vous voit pas. Donc moi, je vous attends. Ouais. C'est l'autre côté de l'échangeur qui est là. Là je la vois. C'est de l'autre côté, j'ai traversé la route. Vous voyez, là c'est la Y4. Et la merveille qui sont en train d'effectuer ici, le travail effectué. Le pays est vraiment en chantier, donc il est
préférable que chacun réfléchisse dès maintenant, parce qu'il y a un véritable changement qui est en cours. Donc chacun doit s'adapter à ce changement-là. Ceux qui vont rester en marge du train, du changement, ils vont perdre. Hein. Au lieu de rester là à vous plaindre, il faut réfléchir comment s'adapter à la nouvelle situation, au nouveau programme. Mieux vaut s'adapter dès maintenant. Il faut réfléchir beaucoup, parce que tous ces chantiers-là offrent de nouvelles opportunités. Donc, au lieu de rester là à se plaindre, il faut s'adapter, il faut créer, soit innovatif, soit créatif. Il faut créer pour gagner pour toi. Moi, j'étais dans la rue, j'ai réfléchi jusqu'à... J'ai vu qu'on parlait de que la Côte d'Ivoire avance, mais personne ne voyait ce qui se passait. Donc, Dieu m'a guidé, dirigé sur YouTube, et j'ai eu l'idée de commencer à filmer les différents chantiers pour montrer aux gens. Et en même temps, en filmant les chantiers, c'est pour vous montrer aussi les chantiers afin que vous puissiez réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce changement-là pour gagner ma place dans le nouveau programme. Parce que ceux qui ne vont pas s'adapter là, ils vont perdre. Hein. Le monde est en perpétuel mouvement. Tout change, tout change. Donc quand les choses sont en train de changer, il faut s'adapter pour pouvoir supporter. Si tu ne t'adaptes pas, tu seras obsolète. Et quand tu seras obsolète, tu vas rester pauvre. Et tu vas toujours te plaindre à avant. Tu vas rester d'avant. Donc dès maintenant, il faut réfléchir au futur pour entreprendre quelque chose pour pouvoir s'adapter. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait les vidéos pour vous montrer qu'il y a certaines opportunités derrière tous ces chantiers-là. Même ceux qui réalisent les chantiers, qui financent les chantiers, ne vous disent pas, mais c'est à vous-même de mettre votre cerveau en marche pour pouvoir trouver quelque chose pour s'adapter.